New York. New York, ta grosse face de pomme. Je te croque avec plaisir quand je viens, je t'anticipe avec délice. Je lis sur toi comme si c'était la première fois. Mais dans le fond, chaque fois que je te vois, il y a toujours des premières fois. Pour moi, pour ceux qui m'accompagnent. New York, je crois que c'est ça, ta magie. Tu es la ville des premières fois. Tes taxis jaunes sont toujours là. Les cheminées dans les rues qui fument comme des tasses à café, the city who never sleeps. Tes façades de briques et de verre, tes gens de tous les styles et tes pointes de pizza. Tu as des clichés rassurants. Je peux compter sur toi. Tu me dépayses comme tu m'invites dans cet équilibre précaire mais toujours au rendez-vous entre ce qui me fait te reconnaître et ce que je te découvre. Dans mes bons plans testés et approuvés, je recommande le Brooklyn Bridge au lever du soleil. C'est beau, c'est rosé, il y a presque personne. Le pont est à nous et on y danse si on veut. On voit ses cordes, ses 2 km, on voit Manhattan et même la Statue de la Liberté. Je suis un trait d'union qui aime les ponts. J'aime de celui-ci qu'on peut y aller à pied, suspendu sur la traverse réservée, au-dessus des voitures qui se pressent dans un sens comme dans l'autre, vite vers l'île, vite vers Brooklyn. 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 La première fois, c'était l'an passé. La tête dans l'oreiller du Hoxton, cette chaîne que j'aime pour ses hôtels hipster et son staff friendly, et le don bien sûr de s'installer dans des quartiers en pleine gentrification, royaume des artistes, des jolies boutiques et des cafés impeccables. On est devant le Butler Café que j'avais repéré avec sa jolie petite porte rose sur Instagram, mais en fait ça c'est le To Go, donc on s'est juste arrêté pour prendre un café, parmi les meilleurs lattés que j'ai goûté d'ailleurs. Ça y est, on est au bon Butler, on est celui qui est au coin de Berry Street avec South Fifth Street. Donc on va aller prendre un copieux petit déjeuner avant de poursuivre notre longue journée à New York. Allons-y. Voilà, du bon et de l'imprévu. Prendre tout ce qui passe car on est en voyage, on est ailleurs et là, on est en visite. Et puis direction le Brooklyn des peintures, du street art, des messages en couleurs et en graphes sur les murs habillés de ces toiles urbaines. Des revendications, des hommages, des fois juste des petits cons qui gâchent un portrait ou une fresque, mais bon, il y a de la place pour tout le monde. Alors, où en voir? Eh bien, le Bushwick Collective propose une carte. Alors, il propose des tours et une carte qu'on peut suivre soi-même. Et comme vous pouvez le voir, les murales sont gigantesques et elles sont juste magnifiques. On vous en montre quelques-unes. Mes parents ne voulaient pas que j'écrive sur les murs quand j'étais petite. Alors, je souris. Évidemment, Biggie dans leur salon. Non, mais là, c'est beau, hein? L'idéal, c'est encore de débarquer à Jefferson Street Station. Dès les premiers pas, il y a des belles murales. Ça nous grandit de les voir, ça nous rapetisse d'y lever les yeux. Encore New York, back and forth, grandeur et petitesse, tu me balances dans tes contradictions. Mais New York, je ne suis pas venue pour toi en fait. Tu vois, moi aussi je peux te surprendre. Malgré mon ton de groupie, c'est pour eux que je suis ici. On a dit aux enfants, pas de cadeau sous le sapin, on part à New York. Parce qu'on est des parents cool, tu vois, parce que l'espace d'un week-end, ils avaient leur cœur d'enfant juste là sous la poitrine, même si c'est des ados, des adultes et sans. Chacun son truc. Gab chez Supreme et à Times Square, Syl et moi chez Color Factory. Ma première fois là-bas. À acheter un billet en ligne dans le coin de la porte, les séances sont toutes les 15 minutes, ça tombe bien, mais bon, des fois, c'est sold out. Enfin bref, on est rentré presque une heure dans ce monde éclaté, psychédélique, genre on a pris le thé chez le chapelier. C'était drôle, c'était loin de mon MoMA habituel, loin de Photographiska que je voulais voir mais que j'ai finalement remis. C'était bien, ça faisait changement de ce que je connaissais. Allez salut New York, la ville qui dort jamais, la ville qui prend pas une ride, la ville qui m'énerve des fois mais que j'adore foncièrement. Merci pour ces quelques jours ensemble, puis à bientôt parce que comme d'hab, j'ai découvert d'autres trucs à faire pour la prochaine fois. D'autres premières fois, encore, encore, toujours. Suivez nos prochaines destinations, nos coups de cœur de l'Équateur au Japon, en passant par Montréal, il y a de la place dans nos valises, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. On est au vaisseau. Alors c'est dans le coin de Chelsea Market, c'est essentiellement des escaliers cette structure et ça permet d'avoir un joli point de vue. Alors il y a 2500 marches, je ne pense pas qu'on va toutes les monter mais pour sûr on va faire de bien jolies photos. Bon, petit update.
On est arrivé 15 minutes trop tard parce qu'ils ont des horaires divers. Alors, petit conseil, c'est gratuit mais il faut s'inscrire au niveau des horaires quand on veut visiter l'œuvre des sorts. Et moi j'avais pris les billets à 10$. C'est des billets qui vous permettent d'arriver n'importe quand dans la journée. Et donc à la base c'était une bonne idée, mais ils sont passés en horaire d'hiver et donc on va juste avoir des photos du vaisselle mais pas sur le vaisseau. Voilà. Là oui. Là oui tu filmes ou là oui tu fais des vidéos ? Vidéo. Ah une vidéo. Ok bye. Il y a des comètes pour rien. Genre bien. Ok, on va attendre que le train passe. Ça y est, on va. Avec le gros vide derrière. Ouais, non, on va attendre. Comment t'aimes ton Airbnb?